Salutations peuple de YouTube. Nous sommes sur Binding of Isaac. Repentance une fois de plus, comme toujours. 593 secrets sur 637. La plupart de ces 44 secrets manquants sont ici dans les défis. Pay to play, c'était quoi? La réponse immédiatement. Oui, c'est bien ça. Donc j'ai 50 balles, j'ai Monique Wallpower, le pennyback qui va générer de l'argent, et donc la mécanique de merde de pay to play. Donc les portes, je les ouvre avec mes pièces. Et je dois aller jusqu'à Isaac. Oh là là, un Petrified Poop là serait légendaire pour pouvoir farmer de l'argent sur les caca. Parce que c'est le nerf de la guerre, je perds de l'argent, je perds de la puissance, et en plus, toujours le danger si j'ai pas assez d'argent de pas pouvoir terminer le run. Alors j'imagine qu'il n'y a pas d'item room, hein. Il y a quasiment jamais d'item room dans les challenges. Ça arrive sur certains cependant. J'aurais tendance à dire que non. C'est dommage que ça soit pas forcément indiqué. Qu'est-ce qui m'indique que c'est sûr, il n'y a pas d'item room? Rien. En fait, faudra que j'ai la confirmation. Parce que là, s'il n'y a pas d'item room, j'ai envie de tracer directement. S'il y en a, bon, j'ai envie de la farmer vu que l'étage est petit. Chiant. Musique un peu forte en gauche shop de toute façon. Il faudrait que je refasse passer le micro en dessous, mais je sens le risque. Vous voulez prendre des risques? Oh, je suis pas sûr. Attendez, je prends un risque. Oh, c'est une connerie. Parce que si je baisse totalement le bras et que je le fais passer en dessous de l'écran, Et que je mets le micro là, bon, c'est la merde. Mais là, vous m'entendez beaucoup mieux. Ah ah! Eh oui. Le pic à 14 km, ça, non, non, il est EQ normalement. Mais ensuite, est-ce que j'ai vraiment envie de voir le shop? Parce que il est très peu probable que je dépense de l'argent. Et disons que le premier étage, on va visiter pour... Oh! Oh! Il y a une petite chance qu'il y ait la secret là-bas, une toute petite. Lucky coin et de la portée. Je sais pas pourquoi j'y vais en vrai, mais bon. Oh, soit l'autre penny ou un truc du genre. Oh oui. Très très bon ça. Une touche égale du pognon. Du coup on va volontairement se faire toucher si on trouve la... Ah oui mais la curse, est-ce que la curse va encore exister? Oh là là, évidemment ils mettent des objets de zinz. J'aurais dû laisser le feu actif s'il y a pas l'épique de la curse room. S'il y a l'épique. Ça, c'est dommage. Sacrifice Room également. Ok, très tentant d'aller prendre Treasure Map et More Options, mais bon. Laisse bien raisonnable. Ah, je perds de l'argent quand je prends des coups. Ah oui, d'accord. Donc en fait, c'est pas rentable. Eh ben nickel.
double vue. D'accord. Treasure Map me fait économiser, ouais. En plus, il est en solde. Je suis assez d'accord. Peut-être pas... More option. Je me mets trop en danger, je pense, si je le prends. En double vue, vous m'avez dit? Ah oui, c'est ça, là. Ça vaut le coup, probablement. Oh là là, oui, ça vaut le coup. Ah, mais du coup, j'ai plus accès à... Oh, c'est de la merde en barquette, ça, non? Augmente une stat, diminue une stat, donne aux effets, aux larmes d'Isaac, des effets aléatoires, déforme visuellement les effets, l'effet dure une salle. Parce que le problème, là, c'est que je voulais quoi? Je voulais quelque chose. Je voulais utiliser une autre bombe pour la Secret Room, oui, ben tant pis. On va y aller. Tu peux le reroll avec le trinket. Quel trinket? Le trinket de la Curse Room, c'est utiliser l'objet, le réutilise. C'était bien ça, non? Comment ça? Ça le reroll? Ah oui, d'accord. Ah oui, c'est une traduction, ça le rejoue, ça le reroll, d'accord. C'est marrant, ça me redonne à chaque fois un objet sans charge, donc je pourrais continuer à l'infini. Mais sablier, c'est fine, non? C'est même pas mal du tout. Oui, c'était le trinket qui a fait bugger la musique. Enfin, la pioche, c'était la pioche plutôt. Alors, donc, du coup... Bon, bah, le boss est en haut à gauche, quoi. C'est l'avantage d'avoir pris la treasure map. J'ai perdu des gars. Parce que j'avais 50 balles, j'en ai plus que 34. Sage. Être tendu, hein. C'est pour ça que, bon, évidemment, c'était tentant d'avoir... le double choix d'objet contre le boss pour gagner du DPS, hors le DPS qu'on a avec Money Equal Power qui va devenir de plus en plus anecdotique, sauf si on trouve une mécanique pour faire du pognon. On a déjà le Swallow Penny, mais c'est pas la meilleure. On va faire une mécanique où on n'a pas besoin de se faire toucher. Le boss est trouvé. Donc ça, c'est très très cool par contre. Mais on n'est pas dans un mood où on veut jouer à Devil Deal, hein. Une fois de plus. Mais combien de fois ils font ce connard? Ah ouais, je lui attendais pas du tout. Ils font 5 fois. Un, deux, trois, quatre. Ok. Oh, ça c'est huge. Ensuite, bon. Devil Deal, c'est potentiellement être fort maintenant. Mais c'est danger. Je peux rentrer sablier, bien vu, la team. Oh merde. Ah quand même. Quand même, quand même. Oh, il y a de l'argent en plus. Je crois que c'est Ceremonial Robe War of Babylon tous les jours. Hein. Oh, wow, wow. Aucun doute. La vitesse avec la transfo War of Babylon. Bon.
Il y a un monde où c'est tout en bas. Canton. Oh putain. On va bien de récupérer des ressources, des bombes, entre autres. TP shop. La TP shop, elle peut être cool. Enfin, le pendu peut être cool pour aller choper du stuff aussi, en vrai. Hein, mais... Bon, nos clés nous servent qu'à ça, donc allons-y. Oh oui, oh oui. Oh là là. Très rentable. On se met très très bien. Hein. L'argent, c'est du DPS. Quelle belle soirée. Fait plaisir, hein, ces défis. On trouve, en optimisant... On trouve assez facilement la clé à chaque fois, même sur Ultra Hard, on a réussi à gagner un deuxième try. Le fait que ce soit en difficulté normale, ça... Et que ça soit Isaac le perso de base, ça facilite quand même beaucoup de choses. Ça fait beaucoup de clés quand même, hein. Il y a peut-être moins... Oh. Ah ouais, attends. Il y a sûrement la secret. Et donc c'est rien du tout. C'est de la merde market. Eh ben super. Je pense que je vais ermite. Ah oui, sablier, putain. Idiot. Oh, le Two of Diamonds en légende, là. Deux de trèfle pour les bombes. Oui, j'ai pas... Pourquoi je fais? Moi, c'est pas... Ça n'a aucune importance. On peut sablier si ça se passe extrêmement mal. Ce boss, ça peut se passer mal en général. Il a très peu de vie, mais voilà, si on le... Blast pas, ça peut vite devenir un cauchemar. Qu'est-ce qu'on en pense de cette touche? Bon, en vrai, j'ai 3 tries, donc allons-y, hein, tentons mieux. Il y a un monde où je fais pire à chaque fois. Hein. J'en suis capable, tout à fait capable. Tu es capable de faire pire à chaque fois. Y a pas de mystère, hein. Y a un micro-monde où c'est à droite en haut, mais c'est probablement tout en haut à gauche l'ennui. Ensuite, on a sûrement un shortcut secret room là tout droit. La flemme en vrai. De toute façon, j'ai le 2 de trèfle, donc si je l'utilise... Oh oui, bravo! Si je l'utilise... avec 0 bombe, j'en aurai 2. Alors, main gauche, il est... C'est pas inintéressant en vrai. Pour l'instant, j'ai eu aucun proc de ma Mom's Pearl, là. 10%, c'est pas dingue. Et ça parle pas d'altération, il y a la chance. Le problème, c'est que la plupart des coffres rouges, ça va être des araignées et de la merde en barquette.
Et coffre rouge, aucune pièce, c'est vrai. Et on peut avoir des beaux objets dans les coffres dorés, mais clés ne servent que pour les coffres dorés, donc en vrai... Là, ça aurait été un coffre rouge, hein. Réel Harry. Ah merde, fallait que j'utilise ma... mon Two of Clubs, bon c'est pas grave. Probablement là en vrai, hein. Bah ça c'est un énorme banger parce que je peux faire deux trèfles et s'il n'y a pas de Magic Mush, on revient en arrière, hein, c'est ça. On peut même tester les pilules. Oh là là, et là c'est télépile, ça me fout dans une sauce. Tears up. Eh ben. Juste, j'ai pas pété lui, quoi. J'ai fait de la merde, mais on sait... Ah, j'aurais pu ouvrir le passage. Ça, c'est très con, par contre. Bon, on m'aime bien au village. L'important, c'est qu'on m'aime bien au village, d'accord? Trust. Incroyable, ce drop de pilule. C'est une pièce qu'il faut déloger avec une bombe, manquait plus que ça. Il y a lui aussi, ok. Je me déteste. Oh là là, n'importe quoi. Attention, j'ai plus qu'un sablier. Oh là là, merde! Tout ce loot, tout loot, tout loot! Mais bon. Aucun regret, hein. Si, juste, j'aurais pu économiser une bombe, j'ai fait le sac à merde. Bonjour. Ça, c'est plutôt chillax. Très chillax, même main. Oui. On peut prendre la TP, les bombes les voilà, c'est augmente la fréquence d'apparition des caca noirs, ça intéresse personne. En vrai s'il a le... si c'est l'Ump of Call c'est bon, sinon c'est reset. Hein. Enfin, c'est Ah oui. Ah bah oui ça va être quoi qu'il arrive. Un sablier. Parce que j'ai joué comme une merde en barquette. Ok. Ensuite, il y avait beaucoup d'argent à se faire tout de même. Ah non, aucun. Vu que je me suis fait toucher. Mais si je me fais pas toucher, il y a de l'argent. Quoique non, c'était de l'argent. Bon, ouais, qu'il aille se faire foutre. Voilà. J'ai deux bombes. Oui, faut plus que je prenne de cœur. Sinon, c'est la hesse. Tout à fait. Je sors de l'état War of Babylon si je me retrouve à un cœur rouge rempli. Je sais pas si ça vaut le coup pour 5 balles de péter ça. En vrai, c'est pas déconnant. C'est le nerf de la guerre d'avoir de la thune dans ce challenge. Oui. Ah là là, demi-cœur, pas prendre de cœur rouge, pitié. Ouais, ça sent le haut en haut à gauche, hein. Pas trop d'embrouille là-dessus. Encore un mendiant. Casser ce mendiant peut être intéressant. On viendra peut-être en arrière. Ok. Oh. Avec le truc qui m'attire là.
Ah merde, j'ai pris un cœur du cul. Ouais, c'est bon, pas de panique, on va avoir un devil deal, c'est bon, on se calme. Et j'aurais pu s'habiller. As de carreau. Oh. Fun. Ah putain, c'est vrai que j'ai un mythe. Il me faut une salle où il y a beaucoup d'ennemis. Et on va se faire de la moula. Alors oui, il n'y en avait pas beaucoup, mais ça me faisait chier, voilà. Je pense que même avec Hermit, on n'a pas forcément envie de voir un magasin. Ça me sert vraiment à me sortir de... une énorme erreur de mapping. Il faut que je repasse un... Bah tiens, en parlant de malaise. Hein? Mais n'importe quoi. Ok, bro. Je sais pas pourquoi ça m'a activé War of Babylon alors que je suis à 1. Ok. Oh, Lucky Penny! Oh! Ah, très bien ça. Sauf si je me fais toucher comme une merde. Mais. C'est pas chiant en tout cas. Ah bah je suis à 100% de Devil Deal, même pas besoin de péter le mendiant. Un peu radin ce grid, il est vrai. Allez go. C'est qui? C'est Loki. Oh. Ah oui. C'est pour ça qu'on m'appelle la merde dans le milieu. Oh bah. Est-ce que je... En vrai j'ai le pige là. J'ai aucune raison de pas le refaire en vrai. Oh, je sens le drame. Je sais pas pourquoi je le sens pas. C'est réel. Oh putain. Ok. Oh! Là, on n'a jamais eu de drop de cœur, hein, de toute façon, avec cette merde. Go! Ah bah, nickel. Hop, on revient voir Babylone avec ça. Oui, c'est vrai qu'A+ est sablier, du coup je peux essayer de conserver le A+ un maximum. 12 en luck, on va avoir beaucoup de coffres popés. Ah, salle au trésor direct. Très bien. 100% à 18 de chance. Mais le problème c'est que je ne peux pas transporter 2 trinkets. Chiant. Pas le stuff pour là. C'est surtout long plus que dangereux. C'est vrai que j'utilise pas le cube, mais bon. Pourrait ermite en vrai. Alors je vais ermite, si je touche un cul-de-sac, ça va, j'ai quand même récupéré beaucoup de pognon. Peu probable. Sacrifice? Non. En vrai, avec toute ma luck, ça vaut sûrement le coup de faire
de faire les... les salles en vrai. The devil. Non. Oh putain, 5 balles pour ça? Est-ce que ça valait le coup? Pas sûr. J'ai oublié que l'argent c'était le nerf de la guerre. Mes excuses évidemment. Il y a une carte devil à aller chercher, mais ça implique de faire des salles en plus. Je veux juste vérifier si le boss est là. Probablement oui. C'est historique. Et quand je pense qu'Isaac nous... enfin, Silk Song nous tend les bras, c'est vraiment une belle soirée. Quelle belle soirée. Plus un CT Aymar, oh là là. Quel bonheur. Quel bonheur. Et non. Pourquoi je fais ça? Oui, pour rechercher ma carte. Et puis avec 12 de luck, des coffres quoi. Pourquoi c'est loot là? C'est inadmissible. Ça vous avez vu? Ah non. Qu'est-ce qu'ils ont vu encore? Ah non, mais vous me dites pas que vous me parlez du crâne The Fool. Oh non, mais arrêtez, arrêtez. Respectez-vous un peu, je vous en supplie. Oh le con. Oh putain. Saved. Bon allez, c'est vraiment histoire de... Je pensais qu'avec mes 12 de luck, j'allais avoir des coffres non-stop. Ah quand même. C'est pas fou hein. Avec un Momski, on serait en légende là. Hein. On aurait des chests tout le temps, surblindés de pognon, voire d'objets. Bon, c'était rentable hein, tout de même. Envie de continuer la vibe, chercher la secret aussi. Oula. Je suis toujours à la full charge bouclier, sablier, donc aucune raison de pas le faire, voilà. Le jeu garçon, le Game Kid, l'essayez-vous. C'est pas possible de... C'est possible de s'habiller si je perds. Oui, je sais. Ah du coup, ça peut... c'est là, non? Forcément. Merci à tous. Est-ce que ça peut pas être... Ah, c'est au-dessus de la carte. Ce qui nous arrange en vrai. J'avais pété l'autre. 36%, c'est pas dingue. Oh bah super. J'ai l'impression de me faire scam. Oui, j'avais pété celui du magasin, donc ça me sert à rien. Ok, et bien go. C'est mom là. Hein.
Go. Alors, est-ce que j'ai The Devil? Blue Mom quand même. C'est pas déconnant d'utiliser la carte. On va essayer ça. Oh. Pour optimiser avec le cube de viande, mais la hitbox, elle est, je m'en souviens pas très bien, donc j'ai pas envie de faire une bêtise. Ah, on n'a pas eu le Devil Deal, ma gueule. Bon, bah superbe. Oh, c'est certainement tout en bas à gauche. On s'emmerde. Ah, on s'emmerde là-bas. Pourquoi je l'ai libéré? Ah non, alors, ça va pas l'effectuer, ça. Première salle, une utilisation déjà, attention. Hein. Attention lui, il explose. 46 bombes. Oh, le... oh oui, 13 en luck. Un petit piment là, un petit Ghost Pepper en légende. Ghost Pepper avec 13 de luck, c'est non-stop. Flamme bleue. Oh, la belle histoire. Oh non, chiant. Chiant. Okay. Possiblement à gauche, la secret, là. Moi, oh, j'ai envie de la faire. Et bien, voilà. Ok. C'est quoi, ça? C'est... Non, c'est pas par rapport aux anges. C'est la plume blanche par rapport aux anges. Ça, c'est quoi cette merde? Ah! C'est du DPS. Oui, mais de toute façon. C'est con parce que les objets démoniaques, en effet, on en avait. Ah, rocher marqué vu. Oh, la pièce infinie. Oh oui! Perdre la vitesse, mais bon. Probablement acceptable. Oh! Oh, le roll à deux pièces! Oh, intéressant ça. Un objet de Devil Deal à venir. Putain, en vrai, la plume, elle donne envie, la plume noire. Hein. On va avoir beaucoup d'objets de Devil. Hein. Mais difficile de refuser à... Parce que si on garde les 13 en luck, ça veut dire qu'arrivé au chest, on va avoir un objet à toutes les salles. 2 sur 3 de Guppy. Juste par curiosité. Combien il me donne de DPS, là? Avec ce que j'ai. Oh, c'est anecdotique. Anecdotique. Ça finit avant le chest? Ah oui, c'est Isaac! Oh, l'ennui, eh. J'avais envie d'aller au chest avec ce build. Réel Harry. Je tente en bas, j'y crois pas une seule seconde. Et si c'est en bas, c'est rapide, efficace. Qui est là? C'est les petits jumpers. Ah, y'a personne en fait.
Et en effet, c'était de la bite en bois, de la bite en bois. Merde, putain, je suis bloqué. Bloqué. Oh. Très peu probable que ce soit là, mais si c'est là, c'est un banger. Ouais. Ouais, je m'en fous. J'aurais pu sablier, mais on n'est pas à l'économie à ce point-là de bombe. D'autant plus qu'on va terminer à la cathédrale. C'est free. It's a freebie. Merci à tous. Oh. Petite salle au trésor. Sous nos yeux et... des pilules en masse, mais pas celles que j'avais trouvées. Hein, qui est le Tears Up et le HP Up qui étaient légendaires. Bah c'est pas dingue. Ah peut-être celle en haut là, non? Pas du tout. Pin. Black Pin. La BBC, bien sûr. Ok. Eh ben, nickel. Tapez, tapez dans le ballon. Tapez sur le voisin. Football, football, foot. Ok. Envie d'y aller avec le cube de viande là, mais bon. On va la jouer en mode les pieds sous la table. Qu'est-ce que ça raconte? Ah oui, c'est vrai que j'étais à zéro. 0 sur 3 de siamois, parce que là on avait un siamois quasi free. C'est quoi déjà ça? Subir un dégât donne débit augmenté, vitesse augmentée sur un étage. Ok, marrant. Je me demande de manière legit si j'ai déjà pris ce truc là. De toute façon on est en défi, donc ça compte pour rien. On peut dire qu'on s'en fout totalement. Hein. Ça me paraît pas délirant. Et on a un petit devil pour terminer, Isaac. C'est bien, on a du stock de vie par ici. Oh là. Allez, avec un 10 de move speed, c'est un peu technique. Okay. Ah oui, mais non, c'est vrai. Du coup, j'ai pas le droit de faire ça. Là, c'est bien con. Par curiosité, quand même. Ok. Oh, il est bien. Eh putain, mais qu'est-ce que je branle? Est-ce que je vais vraiment tout perdre ici? Sur Monstro 2? Ensuite, c'est un Monstro 2 un petit peu. Oui, c'est un Monstro 2 sous vitamine. Mais quand même, faut pas déconner, quoi. C'est Monstro 2. Ouais, en fait, il est tellement rapide que j'ai pas l'info s'il vomit ou pas, elle arrive en une frame. Ok. Non, en vrai, il était chiant. Il était chiant. Saved by the cube de viandas. Oui, bon, on l'aime bien au village, mais... Mais... C'est un génie.
Il est très bien informé. C'est un sup. Merci. Ça a été bien tanky, hein. Ouais, je vais probablement en bas à droite à 100%. Oh là là, oh là 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 là, on va se calmer là. Ensuite, mon 12 de luck, hélas, j'avais aucune larme qui était dépendante de la luck, donc ça a eu un intérêt assez limité. Hein. Oh là là, oh la salle de merde, hein. C'est un peu anxiogène, non? Très osé. Il faut qu'on... voilà, merci. Là, ça devient plus respirable. Attention. Dash vertical, dash à droite, j'attends son dash. Attention, il peut dasher tout de suite. Oh la merde. Ouais, ok, ça va, tout va bien, maîtrisé. Ok. Oui, bon, ça va. L'important, c'est de respecter, hein, évidemment, les valeurs du sport. Vachement dans le respect, là. Voilà, bien sûr. On respecte avant tout. Plus important, c'est les 3 points. Et voilà, 594 secrets. Presque les 600. Oh, je suis ému. Je suis ému, YouTube, des bisous. Bientôt. Oh, mais attends, mais c'est dans 10 minutes, la ID at Xbox. C'est historique. Pile poil à temps pour le CTRMA, pour Régis, pour la famille. Des bisous.